Les bonbons! Les bonbons! Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une vidéo que vous avez attendue pendant longtemps. Et moi aussi, j'avais hâte de la faire en compagnie de mon père. Bonjour! Alors, on a déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne. Et même sur ma chaîne de vlog aussi, j'ai eu des apparitions. Alors j'ai fait une playlist qui s'appelle « Avec mon père » que vous pouvez aller voir, je l'ai mis dans la barre d'infos. Je suis allée à Paris, en France, la semaine dernière pour le Get Beauty. C'était super le fun. Je tiens juste à vous dire un gros merci pour l'accueil. C'était vraiment vraiment le fun, puis on a eu beaucoup de plaisir. Et j'en ai profité pour ramener des choses. On va commencer avec la marque de bonbons, je crois, qui est la plus populaire en France. C'est les Haribo. Confiserie dragéifiée, aromatisée à la réglisse. Tu suis pas des médicaments cette affaire-là? T'as le temps de faire le ciseau. Mais moi, j'en prends pas trop. Oh mon dieu, c'est bien. Ben, je vais en prendre la moitié. Ah ouais? Ouais. Pas obligé. Non, c'est correct. Je vais prendre la moitié. Oh, ça sent. Ouais, ça me rappelle de quoi ça? Ben, sais-tu qu'est-ce que ça sent? Non. Ça sent comme les tic-tac. Ah! Puis quand t'es mort, c'est super fort. Ben oui, mais attends, pense à une. D'un coup, c'est. Non, c'est pas bon. Ah ok, bon. Non, ça je crois. Non, c'est mou en dedans. Ok, c'est prêt. C'est bon ça. Ben... Ça goûte un peu la réglisse noire. Mais le... L'enrobage dur sur le dessus d'une autre saveur, mais... C'est bon. Moi, je pourrais facilement finir le sac. Tu sais, ça mettons si on m'obligeait. Ça arrivera pas. C'est pas mal ça que tu vas faire. Ah ouais? Mais c'est bon. Non, moi, je trouve ça bon. Mais c'est pas mes préférés. Elle est pas capable. Avec quoi? Ah ouais? Oh. Il y a une marque de chocolat que vous avez, qu'on n'a pas, qui s'appelle Dame. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça pas doit ressembler à du chocolat qu'on a, mais qui s'appelle pas Dame. Pas Dinde. Dame. Non, c'est ça se prend-tu Dame ou Dame? Ah. C'est ça l'affaire. Ben moi, je disais Dame parce qu'il y a un M à la fin, fait que tu sais, il faut le dire, là. Dame. Ça c'est bon ça. Non? Ben... Moi je trouve ça bon. Il y a un petit arrière-goût bizarre. Moi ben, je dirais que c'est bon. C'est pas dégueu, mais je sais pas, ça me revient pas. C'est beau. Ça risque de me revenir, moi. Ça c'est la marque Auchan. Ouais. Fabriqué en France. Ouais, mais ça je suis un peu inquiet. Pourquoi? Ben, parce que c'est écrit... Rasta Tubs. Tubs en anglais, ça veut dire un bain. C'est-tu des affaires à mettre dans le bain, ça? Tu sais, on goûtait ça, on va être surpris en tabarnouche. Là. Des bombes de bain? Ouais, tu mangeais puis tu fais. Oh, tu vois? Il y a comme un mini goût chimique qui pourrait quasiment se passer sur le bord du savon. C'est vrai. Fait que, d'après moi, on est en train de manger des bombes de bain. Ils sont corrects, mais ben, j'aimais mieux les chocolats à la dinde. Ben, moi je suis comme pas sûre. Ça goûte vraiment, ça s'en va trop sur le bord du chimique. Là. Ouais, ça goûte chimique un peu. Ça a un goût vraiment trop artificiel. Donc ça, c'est Cynthia qui est allée me le chercher à l'épicerie parce que en fait, quand je suis allée acheter les choses dans le supermarché, ça fermait dans genre 5 minutes. Ils ont même fermé les lumières un moment donné pour qu'on se dépêche. C'était pas très agréable, je savais pas quoi prendre. Puis Cynthia est allée me chercher ça. C'est la paille d'or de la marque Lu. Le goût vient pas tout de suite. Tu fais attendre. Peut-être en mangeant plusieurs. C'est toi qui as choisi ça, Cynthia? On t'aime quand même. On te remercie. Non, mais c'est pas méchant. Mais moi, si j'aurais un conseil à donner à l'opérateur de la machine, fais x2 sur la confiture. C'est vrai, ça coûte trop le biscuit. Ça coûte trop le biscuit, mais le biscuit coûte rien. Ouais. Fait que finalement, au final, ça coûte presque rien. Ça coûte rien avec une touche de framboise. Oh, c'est pas super bon, on dirait. C'est rien tout nu. Là, on va y aller pour quelque chose. C'était un peu plus pour la blague, parce que l'année passée, dans notre vidéo de snacks allemands, on a goûté un truc que, une fois que ça a explosé dans notre bouche, il y a comme eu des. Oh! 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 Boy! Ça prend des nerfs d'acier. Des dents aussi. C'était vraiment spécial. Je me serais fait faire les dents dans la après ça.
Fait que là, je me suis dit, j'ai hâte de voir si ça va faire la même chose. Donc, c'est des Mojito Balls. C'est écrit fabriqué en France, encore une fois, donc vous ne pouvez pas m'accuser. Pas envie d'attendre vendredi soir pour le prochain Mojito? Ouh. Emportez votre mini dose de Mojito sans alcool partout. Ouais, j'ai vraiment le 3 dans le milieu. Ça goûte le Mojito quand même. Vous aimez les Mojitos? Oh, il y a un craqué. Non, pas super à l'intérieur, mais il y a comme de la poudre. Ah oui? Ah! Ben, c'est pas dégueulasse. Ah! Mais ça croque. Rue de gazon! J'en ai un sacré en arrière, ça. Je vais t'essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Au même point que vous, je la comprends pas là. Moi, je pense qu'il est rendu là, t'es mieux d'attendre au vendredi soir, je prends un vrai Mojito. Ben, en tout cas, comme tu dis, moi, je vais attendre le vendredi soir puis en boire un vrai, là, parce que non. C'est non. On va y aller pour quelque chose de classique en France, les tartelettes de Bonne Maman. Donc, Bonne Maman, c'est une marque qu'on a ici pour de la confiture, on en a. Mais les tartelettes, on dirait que je suis pas sûre. As-tu ça ici, les tartelettes? On a, mais pas de Bonne Maman. Ah! Attention de ne pas confondre ici entre Bonne Maman et Tellement Mange, c'est pas la même personne. C'est supposé être à quoi ça? Ah oui! C'est chocolat caramel. Wow! Ça devrait pas être dégueu. Oh! Ils n'ont pas été faits hier. C'est comme plus un biscuit. Ouais. Ouais, il y a comme du caramel en dessous du chocolat. Fait que c'est comme un pâté chinois, sauf que c'est biscuit caramel chocolat au lieu de blaine. La prochaine chose qu'on goûte, c'est des princes. Comment on appelle ça? Prince! Comme le chanteur. Prince? Oui, mais il ressemble pas full. Yeah, c'est lui, Prince. Ouais. Donc, il ressemble pas. Ouais, parce que le chanteur, il est mort. Hein? Oui, en effet. Ils ont tranché en slice pour faire des biscuits avec. Oh, franchement! Ben non! Le goût de brûler. Le brûler? Ouais. Non, c'est bon, mais j'aurais mis plus de chocolat. Il y a trop de biscuits. On goûte pas. Avec Cynthia, on voulait trouver de la crème, de la tartinade de spéculoos? Je sais pas, j'étais pas là. Comment on dit ça? Spéculoos ou spéculoos. Je sais pas, ça a juste l'air d'être une formule magique d'Harry Potter, mais en tout cas. Cette chose, mais on en a pas trouvé. Mais à la place, on a trouvé de la crème de marron. Et ça, on n'a pas ça ici. Non, ici, on a de la crème de marron. C'est pas la même chose. Non, non, c'est crème de marron. On n'a pas ça, la crème de marron. Même marron. C'est supposé, ressembler à du Nutella. Mais nous aussi, ben c'est ça, on va manger du Nutella. On va pas manger de la crème de marron. Ugh. Mais ça a comme une texture qui reste des picots là. Ouais. Mais c'est pas comme une texture comme du Nutella. Non, ça c'est sûr. On dirait que c'est comme un peu gélifié. Et pour finir, on a quelque chose de très populaire en France qu'on n'a pas ici. C'est de la gomme, les Malabar. Donc nous on a plein d'autres sortes, mais Malabar, on n'a pas ça. Alors on a un parfum tutti, tropical et fraise. Moi, j'adore la gomme. C'est les gens autour de moi qui n'aiment pas la gomme quand moi j'en mange. Oh mon Dieu, non! Ils sortent comme une vache. Non, pas tant. Je fais des ballons. Elle est bonne. Mais encore là, la personne s'occupe du goût. Ouais, c'est vrai. Elle était probablement en vacances. C'est vrai que c'est pas... C'est pas fort en... Ouais. C'est pas tasty. J'ai mal à la mâchoire tellement je mange. Ouais. Non, mais... Ton tatou, il est dans ton papier. Ah! Mon Dieu. C'est quoi? Tu lis à l'envers. Belle... Province. Belle gosse. Je l'ai su. Oh! Parce que vous, en France, la gosse, c'est des enfants.
pas venu faire pas avec ça au Québec. Non. C'est vrai. C'est sûr que je mettrai pas ça. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Un grand merci à mon père d'avoir participé. Si vous voulez aller voir d'autres vidéos avec lui, comme je vous dis, il y a une playlist en barre d'infos qui s'appelle « Avec mon père ». On a fait plein d'autres vidéos, dont des vlogs, des bloopers, etc. Alors, vous irez voir ça. Donc, merci d'avoir été là et on se dit à une prochaine fois. Bye tout le monde! Bye!